Bonjour à tous, et moi c'est Emmanuel. Je suis un capitaine dans la Force armée canadienne. J'ai une formation d'ingénieur. J'ai deux maîtrises dans l'université dans le Canada. Et présentement, là, moi c'est un doctorant. Ok, ma forme doctorat. Et raison qui fait que moi décidé de faire vidéo ça pour me parler avec nous, précisément haïtiens. Moi prends décision pour moi bail support moi à monsieur Guy Philippe. Moi prends support moi avec tout nèg moi yo, moi bail support moi à monsieur Guy Philippe, monsieur Jantel avec tout groupe Bessap, monsieur Muscadin et tout homme spirituel intègre et digne qui en Haïti toujours. Moi connais passé monsieur Guy Philippe. Moi connais que gen pile moun k'ap condamné pour allégation de drogue fait prison. Moi connais, moi tande nou tout ça n'a dit. Mais gon baga m'a dit que t'es Fidel Castro, que t'es Che Guevara, que t'es capitaine qui la Mali qui prend contrôle gouvernement. Pas gon moun ki parfait. Nan moment ça, c'est monsieur Guy Philippe qui l'homme de la situation. C'est un monsieur que moi observé lui, qui est très patriotique. Il est courageux, il est intègre et puis il est digne. Ça y a fait Jésus, il pas fait Guy Philippe ça. On me dit encore. Où sont les chrétiens, n'est-ce pas? Oui, mais bon Dieu, ça y a fait Jésus, il pas fait Guy Philippe ça. Moi décidé de venir à Haïti avec tout vétéran canadien, tout vétéran américain qui voulait et tout ancien militaire haïtien. Pour nous former tout corps militaire, paramilitaire qui est en Haïti, qui décide de libérer Haïti de ça la vivre là aujourd'hui. Ma preuve, mon bagage. Haïti, c'est le premier peuple noir qui décide de prendre destin en main. C'est le premier peuple noir qui osait dire que c'est un peuple libre. C'est une nation qui est riche en histoire, extrêmement riche en histoire et en ressources. C'est un peuple qui est accueillant et lent à la colère. Nous avons inventé la démocratie avant que la démocratie soit un bagaille en Amérique. Nous avons inventé le droit de l'homme avant que le droit de l'homme existe. Je vous dis à qui ça. Nous c'est nation qui plus pauvre en Amérique. Sous 10 mondes, il y a à peu près 6 mondes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. En termes de développement humain, nous 163e sous 188 pays. Nous c'est tiers, nous notre tiers monde, mais nous en bas notre tiers là. Institution là qu'elle nous fait pour qui ça? À cause de corruption. C'est ça qui cause la corruption. Parce que il y a une équipe moun, m'a observé qui est incompétent que on mette dans certaines positions clés dans un pays. Moun incompétent ça, qui objectif là. C'est payer moun, payer gang pour qu'il ait belle position pour profiter. Bah ça pour le fini. Haïti a un problème majeur de gouvernance et un problème majeur de leadership. Pays tant que les États-Unis avec le Canada, tu toujours apporté support à Haïti. Support en formation de policiers. Prends les gens qui ont l'école Haïti, faire venir étudier dans un pays étranger. Support monétaire. Mais Blanc lui-même, il a une façon de fonctionner que Haïti n'a pas jamais compris. Blanc fonctionne en façon que l'a aidé, mais l'a aidé tout. Et l'a fait pour tout. Il n'est pas venu faire pour nous. Objectif aujourd'hui, c'est tout d'abord pour que toute diaspora qui est à l'étranger, qui t'a remis retourner dans le pays, puis retourner en toute sécurité. Pour qu'elle vienne faire la caillou prospère, même à tout le pays. Tout étudiant et professionnel qui est dans le pays étranger, qui a une idée innovative, qui retourne en Haïti,
pour venir développer la caillou. Pour Haïti tourner première place touristique en Amérique. C'est pour nous créer un système de santé et éducatif qui est gratuit pour tout le monde. Le monde qui est Port-au-Prince et le monde qui est en province. Pour tout le monde qui a accès à l'éducation. Pour tout Haïtien capable de manger et vivre bien. Nous ne pouvons pas faire aucune nation venir aider Haïti encore. Haïtien capable d'aider tête. Mais je vais dire ça. Moi, je suis militaire, je suis officier. Nous pas venu pour négocier à bandit. Bandit qui touille nous, bandit à zam, bandit légal, bandit illégal. Bandit à cravate. Nous disons ça très clairement. Peu importe dans quel pays que vous sauvez, nous comme qui est celui, nous comme non. Pour que vous voyez un mandat d'arrestation, tout ça fait. Ou pas qu'à cacher en quel côté. Pour ce coup là, j'ai peuple à ouvrir. Peu importe côté que ou a décidé à le cacher, donc j'ai un mandat d'arrestation pour retourner en Haïti pour capable venir rendre compte de ce faire. Et si que ou c'est un monde, ou c'est un ancien militaire, ou c'est un monde dans le gouvernement, ou tu fait partie de problème là, ou pas qu'à la solution. Si que ou t'es fait partie du problème non ou pas qu'à solution. Monsieur Guy Philippe voulait faire une révolution en Haïti. Moi supporter lui à 100%. Haïti méritait une révolution depuis des années. Pour pas dire des décennies même que mon a pillé pays ça. Pour supporter révolution monsieur Guy Philippe là et m'a balé trois étapes principales. Et comme t'as que nous tendez très bien ça m'a dit là. Premièrement, faut que monsieur Guy Philippe planifie l'après Ariel Henry. Avant que vous commencez toute révolution, faut que vous planifiez après Ariel Henry. Deuxième étape là. Faut que nous fassions unification des médias à l'étranger et en Haïti. Faut que médias yo gain même discours là. Nous avons des médias qui ont détracté Ariel Henry qui est à l'étranger. Et moi, je dis ça, je vis à l'étranger. Vous n'avez pas le micro, pas de problème, vous parlez le micro. Mais si que vous pensez que vous ne pouvez pas aller dans le sens de support pour changer Haïti pour le positif, vous moins à fonctionner avant à l'étranger. Et là, je vis tout. Ok? Moi, j'ai monde pour ça. Et troisième étape là, tout le monde qui est en Haïti, qui est en institution, que tu es policier, que tu es juge, que tu es commissaire du gouvernement, que tu es professeur, que tu es groupe spirituel, chrétien, vaudouisant et latrier. Maintenant, il est nous comme ça pour nous démissionner, pour nous décider de ne pas faire travail nous encore. Parce que nous ne pouvons pas servir un pays qui a fonctionné dans l'illégalité et la corruption. Je vais vous dire encore. Tout policier qui intègre, qui remet Haïti, tout nèg qui en force élite policier, tout policier qui remet ses vies pays, que chaque jour, il mette vie en danger pour Haïti, tout juge qui a fait un travail extraordinaire en Haïti, tout commissaire gouvernement, professeur, groupe vaudouisant et chrétien, maintenant, il est nous comme ça pour nous démissionner, pour nous décider de ne pas suivre l'ordre. Un gouvernement corrompu. On pas voyer nous à faire violence. Parce que révolution pas besoin de faire la violence. N'a prêté n'a fait zéro violence mais nous pas servir gouvernement ça encore jusqu'à ce que il décide déposer le pouvoir actuel qui a mené pays ça 10 15 20 50 ans en arrière. Mais nous offrons la non violence. Pas oublier. L'autre côté a gagné tout et la vie. Ça c'est trois premières étapes. Encore une fois, moi c'est un officier dans force armée canadienne et moi fait Haïti. Et Haïti dans cœur. Haïti dans cœur en pile monde qui est en diaspora.
en pile officier, en pile militaire haïtien à suivre sa capacité en Haïti là. Pas penser que n'a violé pays là et que pas des monde cap garder. Nous disons ça. Peu importe côté n'a caché nous pas chercher nous. Peu haïtien campé. Nous connait que on dit ou pas besoin faire violence. Sous son bandit mais on fout main gauche pour capable déposer ses armes ou pour capable orienter ses armes dans l'autre direction pour aider Haïti. Mais si que c'est moi tuer, moi voler, moi dire ça. 2024, 2025 ans, la pion année extrêmement difficile pour vous avec tout le monde qui va diriger. À bon entendeur, salut.